Donc, Madame Bouchard, hein, je pense que depuis quelques années, notre cible à la commission scolaire, c'est les communications. Oui, je pense qu'on se l'est fait dire quand on a fait des consultations pour notre plan d'engagement vers la réussite. Et même entre nous, on s'aperçoit que les communications sont importantes et des fois, on a un langage qui est hermétique. Alors, c'est pour ça qu'on a un beau site Internet nouveau à présenter. Donc aujourd'hui, on lance notre tout nouveau site Internet, très près là, des besoins là, que les gens nous avaient manifestés par rapport aux communications. Donc un site qui va être accessible aux élèves, qui va être accessible aux parents, accessible à la communauté éducative, ça veut dire aux différents organismes qui œuvrent autour de la commission scolaire. Donc, c'est un site qui a pris quelques mois, sinon une année complète à construire et à être validé par les différents comités là, qui sont à l'intérieur de nos structures, dont le comité communication que je profite de cet instant-là pour remercier. C'est d'autant plus important de le remercier qu'évidemment, ils ont été mis à contribution. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que les gens de la communauté, nos élèves, toutes les personnes à qui le site s'adresse, puissent se l'approprier. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on lance un site Internet qu'après on va cesser de communiquer. Ce n'est qu'une occasion de communiquer. Donc, on veut entendre, on veut pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté éducative pour savoir si ce site-là répond aux besoins de communication qui avaient été ciblés, là, il y a quelques temps, là, lors de la démarche du plan d'engagement vers la réussite. Si on souhaite remplir notre objectif de communication, évidemment, on aura besoin que vous le validiez. Et on va vous souhaiter bienvenue, d'y revenir, de ne pas hésiter à le fréquenter. Et surtout de nous en parler. Donc, c'est une communication qui débute avec nous.